Yo tout le monde, c'est Hassan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la démo de Dragon Quest 2. Désolé, j'ai que la démo, peut-être que j'achèterai le jeu complet. Alors je me suis entraîné hors caméra pour pas vous faire n'importe quoi. Mais par contre je suis resté au début pour que vous puissiez faire l'aventure avec moi aussi. Alors du coup je vais juste changer un petit truc. Non, mettre les voix en japonais, voilà. Et maintenant on peut partir, on va suivre le chemin je pense. Je connais un peu tous les bonus hein, mais... parce que si j'ai fait ça c'est pas, si j'y joue en hors caméra c'est pas pour rien. Hop, ça fait pas, je connais, je sais presque. Je sais pratiquement à quoi toutes les touches servent. Je connais pas tout perfection, mais je connais les bases. Si. On peut changer de personnage. Je sais pas, il y a quoi d'autre. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce jeu, mais on va déjà aller activer ça. Par contre, moi j'ai pas l'habitude de. D'appuyer sur R2 pour courir, parce que moi c'est plus R3 comme vous en doutez avec Call of Duty quoi d'autre et Watch Dogs et Dishonored aussi. En plus, en parlant de Call of Duty, je vais juste vous dire que je suis désolé, mais hors caméra j'ai terminé Call of Duty Infinite Warfare. Et je voulais aussi m'excuser pour le manque de vidéos régulières parce que j'ai pas vraiment le temps. On va essayer de se concentrer dans le jeu maintenant. Attendez, je me suis dit que j'allais essayer un autre personnage. Franchement ça m'intéresse pas trop les épées, voilà lui il se bat au corps à corps, ça pourrait m'intéresser. Je vais y garder hein. J'essaie de faire monter de niveau. C'est pas avec le niveau 1 qu'on va se ressortir. Comme vous pouvez le voir, le jeu, il n'y a pas trop de problèmes hein, pour l'instant. Bon, c'est la démo, après s'il y a des problèmes, peut-être que dans le vrai jeu, ils ont corrigé ça. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, cheaté. On se calme là. Il est cheaté le mec. Hein. J'aime bien les musiques aussi. On va se balader un peu. Pour voir ce que ça va faire. Hein. Explorer la carte de la démo. Alors comme vous pouvez le voir en bas du si vous voyez, non vous voyez pas, j'aurais pu vous montrer des choses. En fait le truc c'est que vous pouvez invoquer des créatures. Mais attendez, je vais le faire après. À un endroit il y a beaucoup d'ennemis comme ça, enfin tu les invoques pas mais tu deviens les créatures. Il fait mal. Voilà. Je regrette pas de l'avoir pris. Oh, une autre pièce. Très bien. On peut invoquer deux créatures. Je pense qu'on va aller vers là.
connais pas la map, hein, j'explore avec vous. Eh, mais les slimes verts là, c'est chaud. Hein. Au début, c'était facile. On a à peine avancé, mais que il y a ça là, les slimes verts. Je trouve que c'est les plus forts. Si vous avez des astuces à me donner, vous pouvez me les donner en commentaire. Si ça vous dérange pas. Parce que moi, un peu d'astuces, ça me ferait pas de mal. Ouais, alors. Attends, où est-ce qu'il est? Il y aura mon frère qui va venir, le chief. Hein. Parce que en fait, j'ai d'autres frères, mais vous ne connaissez pas. Non, c'est pas vraiment mon frère, c'est mes demi-frères. J'aurais dû le taper quand il était à terre. Minerai de fer. Je vous allais en tenir un morceau de minerai de fer. Moi, j'ai vu ça quand j'étais hors caméra, mais je sais pas à quoi ça sert. Si vous pouvez me le dire en commentaire, ce serait pas de refus. Tout même parce que si ça sert autant que ça, moi j'aimerais bien savoir. Alors qu'est-ce que c'est ça, Cumulogénie? Ah, ça a l'air d'être un boss. On va essayer d'aller se le faire, hein. On va tuer un peu des ennemis qui sont sur la route, hein. Un peu d'XP, ça fait pas de mal. Et voilà, Cumulogénie là, on va aller se le faire. J'espère qu'il n'est pas trop dur parce que il veut marquer un petit panneau là, attention. Oh, voilà. Bon, je sais pas, attends, il y a quelque chose. Une petite. Enfin, j'ai obtenu quelque chose. Comment on fait pour si on. Ah non, c'était là-bas. Non, c'est pas grave, on a trouvé un coffre. Je savais pas que c'était. On est parti pour faire encore le tour, hein. Boum. Coup de pied fouet. Niveau sup. Niveau 2. Olivier qui est niveau 2. On peut faire que ça. On va aller se faire un petit cumulogénie là. Alors Latif est là. Latif, j'ai découvert un nouveau monstre. Tu te l'es fait lui? Le cumulogénie. Regarde. Oui, c'est quoi tout ça? En tout cas. Je me suis dit abattu contre eux. Mais le mec là, le boss. Non, je sais pas, tu as comme ça. Ok. Regarde, j'ai découvert ça. Boum. Attaque chargée. Comment tu fais? T'enfonces le bouton pour faire l'attaque. Bon, on va aller se faire. Hein. Bah, on va détruire déjà tous ceux qui sont là, là. Attaque. J'utilise beaucoup l'attaque chargée. Comment ça fait mal? Alors aussi, il y a d'autres attaques que j'ai pas utilisées parce que tu peux pas les utiliser infiniment ces techniques. Là, c'est l'entrepompe. Oui. Il faut savoir qu'on est sur plus 4. C'est pas 4, c'est pas 4. Hop, hop. Et hop, là. Je vais pas. J'essaie de... Oh, une pièce. Ok, très bien. Médaille de vampivol. On pourra l'invoquer. Bah, je sais pas quand. Ah, ça prend double passe. Ah non, c'est chaud ça. Bon, cumulogénie. Hein. Je suis chaud. Je peux t'affronter. Par contre, je vais essayer de. Heureusement qu'on a des soins. Hein. Je vais pas vous cacher qu'on a des soins parce que sinon, ce serait trop chaud. Mais tiens, je vais essayer d'invoquer une de ces créatures. On va prendre un petit slime. Foudre. Oh ben, ouais voilà. Coup de gluant, c'est quoi? Attends. Oh, une potion. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est des PV, ça sert à quoi les PM, je crois. Attends. Ouverture du coffre, on ne respecte pas. Vas-y, prends. 3000 pièces d'or. Oh, 3000. Sérieux? Ouais, bah, wesh, il enlève masse de la vie. Les deux trucs qui sont remplis, tu vas en pousser rond et ainsi tu vas avoir quelque chose. Voilà. Merci. Il m'a redonné la vie.
Ouais, lui, il redonne de la vie. Wesh, il y a notre ami là-bas. Alors, moi, j'ai décidé pour la tif, pour la démo, moi, je vais prendre lui. Et lui, il a décidé qu'il allait prendre le personnage principal. Par contre, c'est chaud. Oh non, il est mort. Prends de la vie. Non, mais mon ami, il est mort, attends. Je peux prends le réanimer. De la vie. Non, je peux pas le réanimer. Si. Non. Oh, c'est bon. Non. Je pense que j'ai fait trop mon malin. Voilà. Voilà, on a Teresa là qui est à terre. Il y a deux par contre qui sont à terre. Vas-y, mais soigne-moi. Bon, fébrilité, c'est parti. Je vais pas montrer qu'au max, mais je sais pas comment je fais. On va aller les réanimer parce que c'est chaud. J'espère que ça n'utilise pas des trucs de soins, hein, parce que franchement, je ne peux pas mieux me les garder. Hein. En plus, on lui a pas enlevé beaucoup de vie. Hein. Bah, on va utiliser les super techniques, là. Tornade de Prong. Putain, mais il est trop rapide par rapport à moi. Pour moi, le meilleur, c'est... Concentration. Attaque augmentée, oh là là! Oh, attaque augmentée, il faut en profiter. Non. Vite, premier soin. Oh là là, ça redonne toute la vie, c'est le bonheur les premiers soins. Et je pense qu'on va pas réussir à se terminer en une vidéo, hein, si jamais j'en ai besoin. Je vais faire une petite ellipse. Regarde, autant chaud, mais je t'ai dit, l'utilise pas maintenant, vu que c'est à la fin de la vidéo. J'y suis presque, j'ai presque le battre, hein. L'ellipse aura servi à quelque chose. Bon, vous avez rien raté à part que... Ah ben, on m'a soigné. Oh, trop cool. Prends-toi ça. Oui. On l'a fini. Niveau supérieur pour tout le monde. Moi, je suis niveau 3, les autres sont... Oh, il y en a deux. On est tous niveau 3. Oh, cool. Oh là là. C'était chaud, lolo. Terminer comme ça côté un petit boss, hein, pour avoir fini ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo sur la démo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, un commentaire, et je ferai sûrement une suite parce que j'adore le jeu. Bon, n'hésitez pas à me donner des astuces aussi parce que je connais pas tous dans ce jeu, parce que par exemple les trucs qu'on Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. C'était Alassane. Au revoir.